Et adieu mes marlous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test de coca. Donc du coup je suis assisté de mon caméraman Nicolas. Salut à tous. Et du coup il va me passer les fameuses bouteilles que je vais tester. Donc, alors on commence par une petite bouteille de Pepsi Max. Ah. La deuxième boisson. Oh merde. Oh merde. Il va m'éclater à la gueule. Mais... Le fameux look cola. C'est tous des zéros d'ailleurs parce que j'ai pas pu trouver la bonne taille partout pour... Ah ouais. Ouais. Ensuite la troisième. Pour finir le coca zéro. Ok. Du coup, j'ai mal. Et du coup, il reste une dernière boisson à ajouter. Ah ça. C'est du coca classique, quoi. Ouais, du coca classique. Voilà. Donc là, on a le Pepsi Zero, le... Oh, de fait. C'est quoi ce bordel, mec? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis foutu trempé. Comment ça? C'est abusé. Ah. Du coup, là nous avons le Pepsi Zero, le Coca Intermarché Zero, le Coca Zero et le Coca Classique. Mais du coup, avant de tester buccalement les saveurs de ces fameuses boissons, on va essayer de la sabrer. Donc, précisons que j'ai jamais testé ça, et toi Nico, tu es le seul à savoir à peu près comment ça marche. Tu m'as dit de taper... Donc tu tapes deux fois au milieu, ouais. Deux fois un peu plus au-dessus, et après, comme ça. Ok, ok. Oriente-le vers là-bas, sinon ouais. Tu vas avoir du verre dans la gueule. Oh, mec. Yes, bon. Donc là, on va verser du coca dans tous les gobelets, donc je sais pas si vous pouvez les voir, mais les gobelets sont numérotés du 1 au 4. Donc Hugo ne voit pas les numéros, on va les verser, on va tout mélanger et il va devoir du coup deviner lequel est lequel. C'est parti. Okay. On pète à la gueule, et je sais. Bon métier. C'est bon. Pour rappel, le Pepsi est ici, le Intermarché est là, le Coca Zero est là, et le Coca Classique est là. C'est bon, tu peux y aller. Donc vas-y, enlève toutes les bouteilles là. Donc je te laisse commencer par celle qui est tout à gauche du coup. Là c'est bon. Mais je pense pas que c'est du coca ça. Je dirais que c'est le Pepsi. Ok, je te laisse poser la truc. Ouais. Ok, mais tu peux passer à celui qui est juste après. C'est dur, ça se ressemble vraiment. Mais tu vois, il y a juste pas de goût en fait. Je dirais. Je dirais que c'est le Ice Tea Intermarché, ça. Le Coca Intermarché. Ok.
pas doux, c'est fou. Tu dirais que c'est quoi celui-là? Merde, j'aurais plutôt dit que c'est celui-là en fait, le Intermarché. Ah ouais? Oh, c'est de la flotte. Ah. Ok, celui-là c'est l'Intermarché. Et celui-là, je sais pas. Je vais garder celui-là. Ah, celui-là a un goût bizarre, on dirait qu'il y a du café dedans ou un truc comme ça. Ah! Ok. Coca bouteille, Pepsi. Celui-là, j'ai dit que c'était de l'eau. Ouais. C'est le look Intermarché. Et celui-là, c'est le Coca normal du coup. Alors, donc le 3, donc celui qui est tout à gauche de la table, c'était le Coca Zéro en bouteille. Le 3, c'est celui-là? Ouais, ça c'était du Coca Zéro en bouteille. Le 4, donc celui juste à côté, c'était du Coca classique, celui que t'as sabré. Genre. Celui juste après, c'était le Pepsi. Et celui qui est tout au bout de la table, c'est le Look Iced Tea Intermarché. Ah mais je me suis trompé sur absolument tout. Ouais, tu t'es absolument trompé, mec. Absolument. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, mettre un commentaire. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus, mes marlous.